Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur une story. C'est hyper bien parce que ça change d'un bus, là on prend une sorte de 4x4. Et donc regardez, ça c'est ma maison, il y avait mon nom dessus. Pourtant tout le monde apparaît dans cette maison, enfin c'est bizarre. Je pense que c'est la maison à tout le monde en fait, ça doit être ça. Alors on peut être 5 au total, vite ça va lancer les gars, vite vite vite. Oh cool, hey, ils sont venus, pile à la dernière seconde. Allez c'est parti, du coup c'est Beach House, le nom de la story. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors il y a une bonne fin et une mauvaise fin, j'ai vu dans les badges. Donc bah, je sais pas nous on va faire laquelle fin. Mais ça va être le suspense. Comme vous savez que je suis très fan des stories, c'est pour ça que j'en profite à en faire énormément. Ok, alors ça 100 PV, ça c'est mon nombre de vies au total. D'accord, bah, y a pas de problème. Vas-y, je veux rentrer à l'intérieur du restaurant. Alors il y a un hamburger. Ok, il y a 3 hamburgers au total. C'est à moi de choisir lequel je veux. Voilà, il y a les menus tu vois. Ça coûte super cher hein. Ah c'est bon, on peut rentrer. Alors tu vois, l'hamburger, bacon burger, cheeseburger. Je sais pas où on a cet argent. Regarde, on peut aller derrière. Je vais voler l'hamburger qui est là, regarde, on a 2. Je vais y voler. Bienvenue dans mon restaurant. Bah merci, c'est très gentil. Vous êtes mes premiers clients aujourd'hui. Ok, donc en gros il est en train de dire, Marc, donc celui qui nous accompagne, que en gros les prix sont complètement abusés, c'est excessif quoi les prix. Mais c'est vrai, hein. Je veux 3 hamburgers. Je reviens dans 5 minutes. Ah d'accord, j'ai compris comme Marc, il trouve que les prix sont abusés parce qu'il a dit que c'était hyper excessif les prix. Il va voler dans la caisse. Et comme lui, il est en train de faire, il va pas s'en rendre compte, regarde. Donc là, il fait tranquille l'hamburger. Lui, il a volé. Je suis sûr qu'il va entendre le bruit. Ah non, c'est bon. Hé hé! Pas mal l'idée. En même temps, je te comprends. Ah, le voilà de retour. Ah bah merci pour l'hamburger, cool. Elle en a un, elle aussi. Elle est où? Voilà, on a notre petit hamburger, bah merci. Donc voilà, bah là il va donner la monnaie alors qu'il l'a volé. Peut-être il va s'en rendre compte à mon avis, je pense. Monnaie! Je pense qu'il va quand même s'en rendre compte et du coup après il va finir par nous tuer et tout et se venger. Parce que bah en gros, on l'a piégé, tu vois. Hé, hey, c'est une bonne journée aujourd'hui. Attends, dès une minute. Il s'en est déjà rendu compte? Où est mon argent? Oh oh. Vite tout le monde, allez dans le car, vite, vite, vite. Vite là, on va s'échapper. Voilà, il est en train de s'énerver. Vite, vite, faut qu'on parte d'ici. Ça a mal tourné, non! Il veut nous tuer! On peut même pas aller dans la voiture. Comment on fait alors, dans ces cas-là? Oh, il se passe quoi là? Ça nous TP, ok. Il s'est mis vénère. En même temps, je peux le comprendre, on l'a volé, mais en même temps, t'as un petit peu abusé au prix quand même. Let's go, vite, on part d'ici. Ça, c'est l'asile où on vient d'arriver. Voilà, il y a la plage. Et donc, nous, on va être dans un des immeubles. Enfin, on est juste ici. Puis en plus, j'ai entendu que la voiture, elle a eu un... Voilà, elle avait heurté quelque chose, elle a heurté le mur. Bonjour Doritos. Doritos. Il y a Bloxicola, des hamburgers, des frites. Et il y a voilà les trucs ici. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah bah oui, puisqu'on vient de heurter sa maison. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je paierai, c'est promis. Enfin, on a eu un accident. S'il vous plaît, ne nous tuez pas. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. 3 petits points. Et puis il se barre. Mais tu es étrange, monsieur, dis donc. Tu es très bizarre. On est rentré dans une maison. C'était notre maison à nous, des vacances qu'on avait pris. Donc c'est pour ça. Bah, elle est assez sympa, hein. Franchement, une petite maison en famille et tout, de vacances. Y a rien de mal à côté de la plage. Suivez-moi, je vais vous montrer vos chambres. Vas-y. Je te suis, mon petit Marc. Alors, il y a combien de lits? Ah ouais, bah il y a 5 lits comme on est 5 au total. Quoi, ça amène directement dehors? Non, par contre, c'est hyper glauque, ça. Parce que là, c'est notre terrasse, tu vois. Moi, je vais mettre dans ce lit qui est juste ici, parce que je me sens protégé. Ouais, je vais mettre juste ici. Demain, nous allons passer une excellente journée. Ouais, bah, je l'espère. Bonne nuit, Marc. Un feu d'artifice. Oh, c'est beau, c'est beau. Mais pourquoi un feu d'artifice comme ça, là, d'un coup? C'est très relaxant. Eh, c'est ce que j'allais dire, en plus. Je vais commencer à m'endormir petit à petit. On va aller voir ce qui se passe. Bah en fait je comprends pas, on commence à s'endormir et puis on s'est réveillé d'un coup. Donc tu vois, on n'est même pas encore le lendemain, c'est encore la nuit. Et on a entendu un bruit. Ah Marc, ouais il est en train de dormir, je pense qu'on va pas le déranger. Là on est dehors, tu vois il dort toujours, on va pas le déranger quand même. Hello, bonjour Anonymous, je vais partir d'ici. Voilà, je pars. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? What? Il a un super pouvoir, vous avez vu ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Il a invoqué 2 petits mignons. Mais Marc, il va mourir, on l'a laissé tout seul. Oh, le pauvre Marc. Et il a disparu, celui qui était au milieu. Non, il va être derrière nous. Ils sont en train de rigoler, mais oui, ils ont fait des rires démoniaques. On va mourir, vite, faut qu'on parte d'ici, ils vont super vite en plus. Marc,
reste en vie au moins. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Ah, mais on est obligé de rester vers là. Elle est morte. Non ! Aide-moi ! Bah, j'aimerais bien, mais t'es morte. Bon, bah, adieu. Je m'occupe de... Ah, c'est bon, ils ont disparu. Cool, je suis toujours en vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il y a eu deux enfants qui nous ont attaqués. Deux enfants ? Oui, ils étaient pas très normaux. On aurait dit des monstres. Des monstres ? Ok, ok, tu veux juste me faire peur. Non, mais Marc, je ne rigole pas. Hein. Il est 2h du matin, je suis fatigué. Arrête de me raconter des histoires d'horreur. Bah, merci de me prendre au sérieux, Marc. J'ai failli mourir. Je comprends, en fait. C'est comme ça, Marc, maintenant, entre nous. Voilà, le lendemain matin. Quelle belle vue. Non, vraiment, trop belle vue. Oh, bah, Marc, en tenue de piscine. Eh, moi aussi, je vais me mettre en maillot de bain. Bonjour, Marc. Aujourd'hui, on va aller à la plage. Eh bah, enfin. Depuis le temps, j'ai envie de profiter en plus de l'eau, là. Oh là là, de la mer, j'ai envie de profiter. Vite, vite, on y va. Suivez-moi, ouais. Et c'est parti. Il me fait trop rire avec sa petite bouée. Alors, j'ai le choix entre choisir la banane ou la pomme. Moi, je vais manger une pomme, comme j'ai très faim. Je vais aller dans l'eau directement. Enfin, je sais pas si on peut y aller. Mais moi, je vais essayer. Allez, Marc, tu viens avec moi ou pas? Et c'est parti. Ah, trop bien, voilà, je peux nager. Ah, par contre, il y a un phare. C'est bizarre qu'il y ait un phare, quand même. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce phare? Ah non, on peut pas. Mur invisible, ok. Vous pensez qu'il va se passer quelque chose de journée? Je pense pas que les tueurs peuvent nous tuer ou les deux enfants qui étaient des sortes de monstres. Je pense pas qu'ils peuvent nous attaquer de journée. En plus, je pense que l'Anonymous, c'était le gars du restaurant, comme on l'avait piégé. Et je suis sûr que c'est lui derrière son masque. Il essaye de bien se cacher, mais je suis sûr que c'est lui. Oh, mais quoi? Ah ouais, t'es tranquille comme ça et c'est moi qui me tape tout le boulot, quoi. Vas-y, hop. Je vais faire un petit château. Waouh, c'est long tout seul. J'ai passé combien de temps? Ah ouais, c'est pas facile, hein, mais bon, je me décourage pas. J'ai bientôt fini! Waouh, non mais c'est super long, regardez. Vous imaginez pas combien de temps j'ai passé, là. Peut-être 2 minutes tout seul à faire ça. C'est pour ça qu'à 5, bah forcément, ça va plus vite à 5. Regarde, hop là. Encore 2-3 petits machins et puis c'est bon. Et il est super beau, le château. Franchement, il est énorme. Moi, j'ai jamais fait de château, hein. J'ai fait ici des mini châteaux, tu vois, mais pas un château aussi géant comme ça. Et voilà, j'ai fini. Je vais même rentrer dedans. Ah, mais on peut rentrer dedans, le château. Il est énorme. Bah, joli travail, tout le monde. Bah, c'était plutôt joli travail à moi tout seul. Je me prends tous les mérites puisque j'étais tout seul. Bah, le petit Marc, il part. Je pense que je vais me faire agresser. C'est sûr. Parce que comme je suis tout seul. Ou à part si c'est Marc qui se fait agresser. Ça dépend. Là, il fait nuit. Quoi, comme par hasard? Non, mais il en met du temps. Ça fait 1 heure quand même. Non, mais je pense qu'il est mort. Il doit être mort, à mon avis. Alors là, j'ai 2 choix. Soit je rentre à la maison. Je vais rentrer à la maison pour avoir la bonne fin. Je crois que c'est la bonne fin. Et je vais voir son cadavre, à mon avis. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. Ah, mais quoi? Je peux pas bouger et puis il m'agresse. Eh, c'est pas juste. Laisse-moi partir. Là, va falloir que je cours. Non, le visage masqué est de retour. J'en peux plus. Ok, en fait, j'ai couru. Mais il y a eu un bug, là, ou... Enfin, je sais pas. Ou tu devais... Je pense que t'étais obligé de te prendre des dégâts, à mon avis. Tu vois, il m'attaque que de nuit. Faut pas se faire repérer. Marc, où es-tu? Marc, allô? Le téléphone est dans la chambre. Allez, c'est parti. On y va. Je peux plus bouger. Je peux plus bouger. Non, me dis pas que je vais mourir comme ça. Le serveur, il a crash. Ok, cette fois-ci, ça ne bug pas. J'ai dû recommencer une game, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai rechoisi le choix de la maison. Mais c'est pas grave, j'ai dû tout recommencer. Mais en plus, je suis pas tout seul cette fois-ci. Non, par contre... Non, mais pourquoi tu fonces sur lui? Non, attends, je vais me prendre les dégâts pour toi. Viens, voilà, attaque-moi. Je te protège. Attends, j'ai pas envie qu'il meure quand même, le pauvre. Ce serait bête qu'il meure à la fin, quoi. Ce serait vraiment bête. Ah, j'ai cru qu'il allait rentrer. Mais non, c'est bon. Ouf, il est pas rentré avec nous. Alors du coup, le téléphone, il était juste à l'étage. Il est ici. Ok, on clique sur le téléphone pour appeler la police. Donc c'est parti. Voilà, c'est fait. La police est en cours de chemin. Marc, il est complètement disparu, on le voit nulle part. Même pas, on voit son cadavre, ou je sais pas s'il est mort. Il a complètement disparu de la surface de la Terre. Ah, il se passe quoi? On est dans le noir complet. Oh non, 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 j'aime pas ça. Je vais aller sur la terrasse. Elle est un petit peu mieux déjà. Elle est où la terrasse? Elle est là. Non! Il y a quelqu'un qui rentre. Me dis pas que c'est ce que je crois. La lumière, elle est rallumée. Ouf! Oh, il y a Marc! Oh non, il y a l'Anonymous qui est de retour. On va tous mourir. Qu'est-ce que vous avez fait à notre Marc? C'est ma marionnette. J'ai le contrôle sur lui. Oh non. Marc a volé mon argent. Tu voyais, je vous l'avais dit, c'était sûr. Donc en gros, j'ai préparé ma revanche. J'ai déjà toute la ville. J'utilise de la magie noire. Please, ne me tuez pas. Tu vas faire partie de ma collection. Marc, finis le travail. Il va venir nous tuer, Marc, c'est ça? Non, on va s'affronter contre Marc.
Ah, c'est horrible. Finalement, j'aurais dû m'amuser. Non ! On peut pas partir ? On va mourir. Ah non, c'est bon. J'ai la mauvaise fin. Ah non, mais je m'attendais grave pas à ça, en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, l'histoire, c'est qu'il utilise de la magie noire. Du coup, bah, il tue les gens. En fait, c'est que des pions pour eux, c'est des marionnettes. Et nous, du coup, bah, Marc, il nous a tués à la fin. Et donc, on a la mauvaise fin, en gros. Puis, on fait partie de la collection de l'autre. Et puis, j'imagine qu'il nous manipule et tout. Puis, on est des objets à sa guise, quoi. Je me suis, du coup, caché dans le petit château, comme ça. Bon, même si c'est pas vraiment une cachette. Et du coup, cette fois-ci, on va faire la bonne fin, puisqu'on a fait la mauvaise fin. Cette fois-ci, on va aller s'amuser au parc. Je sais pas ce qui va se passer. On s'amuse. Ça se fait trop pas en vrai. Mais on peut pas savoir ce qui va se passer aussi. Donc laissez-moi un petit peu m'amuser. Est-ce qu'il va nous poursuivre derrière? Il est quand même là. Comment je vais faire pour m'amuser? Je pense qu'il faut que j'aille à la roue. À la grande roue au plus vite. Non mais je vais courser ma vie. Vite tout le monde, courez au parc. Oh là 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 là, vite, vite, vite. Il faut que j'aille dans la grande roue. Ah mon dieu, il est où? Ah mais ça va, tranquille en fait. Ah tu vois, la magie noire. C'est bizarre, il y a le magasin magique, la maison hantée et tout. Je suis rentré à l'intérieur de la maison hantée quand même. Je suis un malade. De toute façon, c'est la bonne fin, donc on risque rien quand même. Marc, où es-tu? Bah, comme s'il serait dans la maison hantée. Oh, oh, bonjour monsieur, je vais partir d'ici. Oh non! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça la bonne fin? Non mais moi je vais partir d'ici. Ah, faut que je fasse l'escape. Oh, il y a Marc qui est là-bas. Ok, j'arrive Marc, te sauver, y'a pas de problème. Vite, Marc, j'arrive. Aidez-moi. Bah oui, j'aimerais bien. Tu dois couper la corde. Mais j'ai pas de ciseaux. Faut que je trouve les ciseaux. Ah bah non, c'est bon, regarde. Hop là, c'est bon. Marc, je suis trop content. Tu te fais pas posséder et tout. Au moins, tu seras pas une marionnette cette fois-ci. Tu seras enfin, bah, le vrai Marc. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on part d'ici. On prend les escaliers. Mais je peux pas partir, moi, non. Pourquoi j'ai pas pu partir? Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas qu'il est de retour pour me jouer un mauvais tour. J'en étais sûr. C'était obligé. Je suis fatigué de jouer. Je vais prendre ma revanche. Ah mon dieu! Et là, je suis censé faire quoi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis mort directement sur le coup. C'est la bonne fin. Je sais pas, je dois le tuer. Ah, je dois le fight. Je pense que je dois le fight. Ok, donc il y a des plateformes qui vont tomber. Et donc le but, c'est de les esquiver. Ah ouais, c'est chaud. On va voir se dépêcher. Hop. Vas-y, là, de l'autre côté. Ça va, c'est facile pour le moment. Est-ce qu'il y a encore 3 rounds? C'est trop bien de combattre les boss à chaque fois, j'aime trop. Ah non, pas comme ça. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, le ptio? De toute façon, je vais pas mourir. J'ai 66 PV. Je vais résister à ça. Je vais y résister, vous allez voir. Parce que je suis bien plus fort que ça. Non, ouah, j'ai perdu 10 d'un coup. Parce que j'ai touché le laser. Il me reste plus que 52 PV. On esquive, c'est beau d'esquiver, mais bon. De toute façon, je pense pas qu'on meurt, parce que tu vois, c'est pas un trou noir, c'est juste que t'as de... Bah, je pense que je perds aussi 10 dégâts, c'est comme les lasers. Ah, le retour du laser, ça c'est le pire. Oh, cette fois-ci, il va super vite. C'est quoi? J'ai juste à sauter comme ça. Corde à sauter. On fait de la corde à sauter dans le jeu. Tout va bien. Ça va, lui, il vole. Moi, j'aimerais bien voler aussi. Non, 10 PV. Oh là là, c'est horrible. Non, 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 j'ai 10 PV, non. Mais c'est trop chaud. C'est trop dur, là, c'est impossible. Oh là 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 là. Je vais mourir. Non. Ah. Mais c'est trop hardcore, là. J'ai pas signé pour ce bail, moi. Hein. Ah, c'est bon, ils sont partis. Non, me dis pas que là, je vais gagner. Ah, oh, c'était hyper hardcore. Comment j'ai fait pour gagner? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Oh non, il est là. Qui est ce visage masqué? Nous allons enlever son masque. Et là, on va apprendre la vérité du coup. C'était sûr, c'était obligé que c'était lui. De toute façon, moi, je le savais que c'était lui. On le savait, n'est-ce pas, Marc? Pour des burgers, guys. J'avoue, il a fait tout ça pour des burgers. Donc, en gros, là, je vous explique, il est en train de péter un plomb. C'est pour ça qu'il a kidnappé, qu'il a fait de la magie noire, etc. Et en gros, bah, alors qu'il est en train de dire non, mais en même temps, vos prix étaient excessifs, c'est ce qu'on dit depuis le début. Et donc là, le gars, il dit, ouais, bah, je vais pas y faire gratuit. Nous voilà de retour, du coup Marc il va donner de l'argent. Il va donner vraiment les vrais prix, mais comment il va faire? Genre il va être complètement pauvre. J'ai une idée. Quelle idée? Vous allez travailler pour mon restaurant pendant un week-end entier. Regardez du coup, on a le balai, puis du coup pendant un week-end on va être ici à nettoyer même s'il n'y a pas de clients. Et voilà la fin, franchement, bonne fin, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé quand même. Waouh, je suis choquée, hein. Cette story elle était magnifique et puis franchement la bonne fin était plus longue que la mauvaise fin.
Et puis pour vous dire, j'ai complètement galéré. Vous avez vu, au moment, ça allait vite, etc. Je sais pas comment j'ai fait pour rester en vie. C'est même impressionnant, c'est un miracle. Mais ce jeu, une dinguerie. Allez jouer, le jeu est dans la description. En tout cas, si la vidéo t'a plu, je n'ai pas lâché ton petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.